1083, l'Espagne est envahie par les morts. La situation est grave et le roi de Castille commence à maigrir. Ça lui fait des oreilles immenses sous sa casquette. On dirait des ailerons. Bref, il a la trouille. Il s'est retranché dans son palais avec Rodrigue, le Cid, le héros, pour attendre les hordes de Moctadir. Pendant ce temps-là, l'infante d'Espagne, qui a une araignée au plafond et de la surchauffe dans la crinoline, tellement elle est amoureuse du Cid, se consacre à son sport favori qui consiste à réciter des vers dans le supermarché voisin. Page, allez avertir Chimène de ma part qu'aujourd'hui pour me voir elle attend un peu tard et que mon amitié se plaint de sa paresse. L'amour est attirant qui n'épargne personne. Ce jeune cavalier, cet amant que je donne, je l'aime. Elle est enceinte? Non, c'est un passe après des fromages, elle est tombée raide. Si l'amour vit d'espoir, il périt avec lui. C'est un feu qui s'éteint, faute de nourriture. Ah, je crois qu'elle a faim. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi finir. Et malgré la rigueur de ma triste aventure, si jamais Chimène a pour mari Rodrigue, mon espérance est morte et mon esprit guéri. Je vais chercher les pompiers. Mais chez vous, les morts arrivent à la caserne. Chimène, monsieur Rodrigue, alerte! Les morts sont dans la cour, ils montent dans l'escalier. Je les vois d'ici, ils grimpent au mât des couleurs. La basterne. Elvire, taisez votre bec, merde! Je vous dis qu'ils sont derrière la porte, je les entends gratter. Mais dis-lui. Mais dis-lui, Chimène, dis-lui qu'elle fout le camp. Regardez-moi ça, c'est chaud comme des petites cailles. Et ces petites lisses, et les brillantes, et le petit cul d'oiseau. Son Elvire va monter dans le dodo avec son Rodrigue et sa Chimène. Oui. Voilà. Tenez, je vais vous faire une surprise. Tenez-vous bien. On va vous marier. Waouh! Allez!
mon petit lapin, mon gros toutou. Ma chère, je m'aime, ma chère. Et voilà. Ce soir, c'est la noce. Les papas sont d'accord. Ils sont déjà au magasin d'habillement. Je les ai vus sur leur tralala, oh là là, pardon. Doña Jimeno una tarde se puso a pedir justicia. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas se marier, nous. Oh, voilà que ça recommence. Déjà la semaine dernière, hein. Ça les prend, c'est la moyenne. Une fois par semaine, ils veulent nous unir. Hein. Les parents nous humaines, et patati et patata. Oh. Mais enfin, on pourrait nous demander notre avis. Oh, ça me gonfle, moi. Pas tellement chercher à comprendre, d'ailleurs, dans le fond, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Marié, pas marié, du moment qu'on baise. Quand même. Mince. Y a des limites. On n'est plus au Moyen-Âge, non? On pourrait causer avant, hein? Waouh, monsieur Rodrigue, qu'est-ce que je vois? This looks like Spain. Well, I'm an American. I'm the boss. Je ne la ferai pas. Moi non plus, je ne la ferai pas là. Je ne la ferai pas là. Je ne la ferai pas du tout. Si le budget militaire ne parvient pas à présenter plus de 3% du produit national brut, je vous dis tout net qu'il faudra réviser nos objectifs. Oh, il suffirait de réduire des échelons de l'état-major. Ou encore de supprimer des missions secondaires. Tenez par exemple les croisades qui n'en finissent pas. Enfin, c'est une honte. Comment les morts sont là, en bas, dans la cour. Ils s'installent comme s'ils étaient chez eux, le linge aux fenêtres et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait depuis tant d'années? On va leur porter le bon Dieu. Allez, que je vous lave, que je vous mastique un peu. Allez, tais-toi comme il faut, voilà. Le curé dans le couloir. Mais on se marie pas à la cathédrale, hein. Oh, il m'embête, lui. Ah, dehors. Les maures, ils sont à la cathédrale. C'est le réducteur du calife. Ils sont partout, les maures. Vous l'oubliez, mais c'est la guerre. Allez, allez, allez. Ah, ma fille. Oh. Vous devriez être content d'être jeune. Et de vous marier. De ne pas avoir de soucis politiques. Regardez vos papas et le paternel et le colonel et tout ça. Vous croyez qu'ils rigolent avec la politique? Chacun son genre! Oh! Je vous dis que les morts grimpent ici. C'est pas du flan. Regardez par la fenêtre. Mais alors, c'est vraiment... C'est la panique. J'ai le bras chargé, c'est où j'en suis. Vite que je m'habille. C'est des parents, ils sont partout. Partout. Il y en a partout, dans tous les coins. Ils sont déjà au troisième, hein. Et ils s'installent dans les chambres, comme ça, sans dire rien. Et hop, ils sont installés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je vous demande bien, non? Non, mais alors ça, c'est des coups. C'est des coups à vous rendre. Cher, tiens, bon, je vais pas me garder, c'est pas la peine, j'ai un ennui. Hein. Non, mon père. Si, j'ai pas de ski. Mais j'ai sauvé le Pina. Ah, mon père. Attention. Ah, ma vaisselle. Salut, mon gars. Ah, ça va, la baisse? Bien, je vous en prie, restez couverte. J'y manquerai pas. Là. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai oublié ça. Nous, on a plus de pain. Il reste de la baguette hier soir, chérie?
Ah bon? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est mieux que rien. On va célébrer avec des croissants, alors. Ah, c'est la guerre. Donc, ils sont au beurre, au moins. Oui! À la chambre! Tout de suite, à la chambre! Me voilà le curé, là! Ce pauvre petit bouchon, ce qu'elle est méchant. Bon, répétons. En vérité, heureux ceux qui louchent, car deux fois l'Esprit Saint, ils verront. Ça, c'est un bout, je saute carrément. De toute manière, ils ne le connaissent pas. Bien. Mes enfants, non seulement notre Jésus était fils de Dieu, mais encore de très bonne famille du côté de sa maman. Bien. Ça, je peux le dire. Ah. Oh Seigneur. Et leur général, là, comment s'appelle-t-il déjà? Mostadir, c'est ça, Mostadir. Il rigole, moi, je vous le dis. Il va finir par s'habiller ici, bientôt. Réduisons d'abord le nombre des franchissements de grade, car il y aura sous peu plus de capitaine que de trophion. Et par exemple, le fait de vous faire dégringoler une de vos barrettes ne nuirait pas outre mesure au pays. Non, commencez pas à me faire chèque, ma barrette, voulez-vous? On se demande comment vous pouvez encore avoir de l'avancement. À votre âge, vous ne pouvez déjà plus arquer. Je vous ai vu l'autre jour sur le parcours du combattant, il a fallu pour monter de la pousse à la poigne. Encore un peu, et je demandais un ballon. Je suis un type propre, moi, monsieur. Vous, un type propre? Laissez-moi rire. On sait comment vous faites pour tenir encore sur vos quilles. Vous avez des petits sachets pleins vos ourlets. Picouseur. Un tour en dessous, le vioc. Entre nous, il y a une différence. Oui, il y en a une grande. Toi, tu es le dernier des connards. Arrête. Arrête les frais ou je vais te casser la gueule. Et je t'enfonce ma barrette dans le cul. Ta barrette? Je la mets sur la pointe de mon nœud. Ton impudence, téméraire vieillard. Aura sa récompense. Ah ah. Achève et prends ma vie après un tel affront. Le premier dont ma race ait vu rougir son front. Ça y est, c'est parti comme aux croisades. Ah, dis donc, quelle tartine. Mais dites-nous, votre petit brûleur, là, au lieu de m'avocher, vous feriez mieux de m'aider à ramasser mes médailles, il y en a partout. Hein? Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ce bras? Qu'avec respect, toute l'Espagne admire mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Il récite mieux que la dernière fois. Quand même, il en fait des tonnes. Faites-les répéter avant pour gagner du temps. Les papas vont bientôt se pointer. Ah, oui. Rodrigue, allez, allez. Oh, minute, merde. Mais t'es tranquille, Oli. Oh, c'est joli, ça. Je ne touche pas aux affaires. Les joujoux, ça. C'est mes joujoux à moi. Ah. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis rien. C'est moi qui commence. Alors, je commence, hein. Bon, eh bien, commence. Bon, alors, j'y vais, je commence. Allez, viens, Poupine. Viens, ça va commencer. Ne faites pas rire, écoutez, je vous en prie. Je peux pas, il faut pas que je rie maintenant. C'est pas ça, mon ami. Bon, alors, le croissant, je me le mange. Voulez-vous prendre pour légitime épouse Donna Ximena Ditchim? Ditchim, fille de Longomètre. Selon le rite de notre... Selon le rite de notre sainte mère l'église, tu aurais pour oui. Je vais dégueuler, gros. Oui, je le veux.
Et mets-y des grelots, parce que... Et moi, on ne me demande pas mon avis, mon beau cucu, mon beau curé, mon beau cucu, mon beau curé. Bon, je demande mon avis. Oui, oui. Voulez-vous, pour l'eau? Pour vous, je vous pour. Ah, tout de même, ça fait une heure qu'on attend. Rodrigue, as-tu du cœur? Je voulais éprouver ta résistance physique à la douleur, c'est dans les manuels. Mais t'as fait très très mal, ça. Écoute, petit. Tu viens de m'engueuler avec Gomez. Ah, eh oui, mais cette fois-ci, j'étais un peu trop loin, tu comprends? Alors il m'en a retourné une, c'est la front. Tu saisis? Y a pas tortillé. Viens, mon fils. Viens, mon sang. Viens réparer ma honte. Viens me venger. Quoi? Un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux, il porte un coup mortel. Ah, contre un arrogant, éprouver ton courage, ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage. Meurs ou tue. Je crois qu'il vous manque deux médailles, là. Vous qui avez de bons yeux. J'y vais. Écoute, papa, je vais te dire franchement, je m'en tape complètement de vos querelles. Vous voulez qu'on se marie aujourd'hui, Chimène et moi? Bon, d'accord, on va se marier, voilà ce que je vois, moi. Rien d'autre. Mais... Tu vas t'aller manger toi-même. Hein? C'est tes oignons, pas les miens. Comment? Comment c'est comme ça que tu réponds à ton père? Dire que j'ai trimé toute une vie pour que tu puisses porter une casquette à visière comme les autres. 100 fois, je me suis retenu de mourir pour t'élever jusqu'au bout et à la fin du compte. Voilà ce que j'obtiens comme reconnaissance. Ah, merci. Merci. Refrain connu. Vous la connaissez celle-là? Attention. Je comprends pas. Tout ça, je vais te dire, tu sais ce que c'est? C'est de la haine de militaire, du vent. Oh, oui, où ça? Ah, t'es drôlement fortique, dis donc! Ah, t'en as fait des progrès! Petite tapache! Cramer! Bissoli! Tu veux me faire un coup de l'Asie dans la MX tout terrain? On va lui donner une tirade, je le connais, ça va être tout ça! Petite sale! Je suis content. Oh, je respire déjà plus. Tu n'es plus mon fils. N'est-il pas étrange, dit notre Seigneur, qu'avec la betterave qui est si rouge, on obtienne du sucre qui est si blanc, dont on se sert pour le café qui est si noir? Monsieur Rodrigue, faites quelque chose! Ne le laissez pas comme ça! C'est votre père! Regardez, il bat! Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Se passe pas un jour sans qu'il se pogne avec l'autre con! On a beau faire, on a beau dire, on a beau leur acheter de nouvelles médailles, des petits engins téléguidés, des petits tanks miniatures, tout! Non! Faut que ça reboume, c'est plus fort qu'eux! Vieux con! Mais c'est la première fois qu'il se tape dessus! Vous avez entendu? L'honneur, l'outrage, tout le badaboum. Mais on s'en fout, nous, du boum et du badaboum. C'est pas deux ou trois baffes qui vont les changer. Ils sont cons, et ben ils sont cons, c'est tout. Bon, c'est plus des hommes, c'est les tambours de conneries. Faites pas votre mule, ça sert à rien. Mais va voir au moins ce qui mijote, le père Gomez. Oh, forcément, il a perdu ses rubans, ses médailles. Alors, ça le travaille. Bon, ça va. Je veux bien jeter un coup d'œil au garage. Vous viendrez pas pleurer après s'il y a quelqu'un qui mord. Merde, hein. Ça pourrait être en mal aujourd'hui, hein. Enfin, merde, quoi. Quand je dis non, c'est non, quoi. C'est trop fort, ça. Qui c'est le chef ici? Comme si j'avais pas assez d'emmerde avec les morts. Ah là là, tiens, eux, ils s'en font pas. Ils débarquent dans ma caserne. Tranquille, hein. Personne ne branche, personne ne dit rien. Ils s'installent vernis, alors les teintes, narguilé, couscoussier, tout ça, hein. Tiens, voilà, je t'occupe. Mais vous savez bien qu'on n'a plus de troupes, mon colonel. Ils sont tous avec Godefroy de Bouillon, là-bas, dans le désert. Il nous reste juste 2 tanks. Et encore, quand ils veulent bien démarrer. Ah oui, parlons-en des tanks, hein. Quand il s'agit de se bignoler pour des conneries, alors là, ils démarrent, au quart de tour. T'as pas besoin de les pousser, ça. Et pour faire tout ça, hein, on les affûte, ces casseroles. Au miroir.
de trop d'emportement. Votre faute est suivie. Le colonel vous aime encore. Mais apaisez son courroux. Il a dit qu'il tripote un char aussi sec, je l'envoie aux croisades. Désobéirez-vous. Monsieur peut conserver tout ce que je l'estime. Désobéir un peu n'est pas un si grand crime. Et quelque grand qu'il soit, mes services présents pour le faire abolir sont plus que suffisants. Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable, jamais à son sujet un colon n'est redevable. Vous vous flattez beaucoup, et vous devez savoir que qui sert son colon ne fait que son devoir. Vous vous perdrez, monsieur, sur cette confiance. Les morts arrivent et l'artillerie se promène. Arrête de tourner là, tu fous le tourner. Mais c'est un tas d'honneur, mon colon. L'honneur me fait pas rire. Dis donc, ma bouille, c'est la guerre en ce moment. C'est ici que ça se passe, là, devant la porte. Pas d'âche. Unité de lieu, pas dans les dunes. Mais les morts ont appris par force à vous connaître. Ils savent, aux dépens de leur plus belle tête, combien votre présence assure vos conquêtes. Vous n'avez rien à craindre. Et rien à négliger. Trop de confiance attire le danger. Fait chauffer un marron, ça le fait péter. Dis donc, alors, à propos, où est l'infante? L'infante, elle est avec Chimène, dans la piole 14. Elle apprend le tango au calife. C'est une honte, ma fille, avec cet énergumène. Pas mal pour un mort. Mais ma chère, ça fait partie de ma charge. De nos jours, vous verrez un bon calife, il faut tout connaître, les arts, les lettres et le cours de la bourse. Vous seriez comme qui dirait un intellectuel, néanmoins pas con. Je vous remercie. Oh, dis donc, vous avez pas remarqué le costard? Vous êtes vachement élégant. Oh, tournez-vous un peu. Il tombe un bec. Ravi qu'il vous plaise à ce point. Je l'ai fait tailler spécialement pour cette soirée. Autrement que vous soyez riche pour vous permettre ces choses-là. Moi qui pleure pour avoir une malheureuse drogue. Mais votre père est bien colonel. Colonel Verradin, oui. Il est tellement près de ses sous que je n'ai même pas de quoi m'acheter une culotte. Pardon? Comme vous voyez là, j'ai pas de culotte. Eh ben, Mimine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle aussi, elle peut pas s'acheter de culotte? Mais non, c'est une autre histoire, c'est son Cid qui la tracasse. Vous connaissez Rodrigue, le Cid, le héros? Ah! Celui qui va nous battre à plat couture! Oui, ben c'est ça, ben, il a provoqué Don Gomez en duel. Vous voyez ce que je veux dire, un duel? Je te file une baffe, tu me files un agneau. Oh oui, oh, je connais! À moi, comte de Meaux, et pas sur le... À moi, compte. Deux mots. Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diègue? Oui, mais enfin, parle plus fort, j'entends rien. Parlons bas! Écoute! Sais-tu que ce vieillard fit la même vertu? La vaillance est l'honneur de son temps. Le sais-tu? Peut-être. Comment peut-être? Vous savez ou vous savez pas? Dans les yeux je porte. Sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Que m'importe. Allô? 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 Ah, je t'apparais. Ne quittez pas, mademoiselle. Ne coupez pas. Ah.
le savoir, je me l'affiche quelque part à l'ardeur de tes yeux. Voilà, comme ça, t'as une réponse, tu peux méditer. Et moi, je vous emmerde à la petite cuillère. Jeune présomptueux. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, oh la valeur... Hé, arrête ton char. Change de disque. Allez, barre, avant que je me fâche pour le bon. Je bougerai pas de là. Je crèverai sur place. Ça, c'est du langage militaire. T'es donc fatigué de vivre, folle bite. Tu vas en tenter de mes bastos, dis. T'en veux du 90 dans tes boudins? Eh ben, vas-y, Gravos. Eh ben, tire donc. Hé, hey, tu me vaux, moi? T'as chaussé tes lunettes? Allez, feu. Merde. Eh, merde. Attends. Alors, ça vient? Attends une seconde. Ah, bah, ben, attends. Attends. Je sais pas comment ça marche, ça. Quoi? Je sais pas m'en servir. Ah. Oh, ça, c'est con pour vous. Ben oui. Non, c'est pas vrai. Allez, on arrête les frais, j'en ai ras le cul. Et ta belle vengeance, alors? Oh, l'affaire! Mon coup de maître! Oh, là, 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 mais est-ce que tu peux être bavard? On attaque téméraire! Oh, nom de Dieu, mais quelle jactance! Mais tu vois pas qu'on est grotesque, non? Avec nos honneurs au sang, avec nos bras toujours vainqueurs, avec nos héros de ma race, tu vois rien, non? Mais je vois surtout que je me fais engueuler en rentrant, oui! Le patouze, il rigole pas! Si j'ai pas vengé ce soir, il va se convulser. Les râles tragiques, tout. Non, non, y a pas tortillé. Faut que je vous tire dedans. Quel con! Non, mais quel con! Allez, sors de ta carlingue. Ah non. Tu veux que je m'enlève? Bon, bon, ça va, ça va, ça va, j'arrive. Pas de mal en bas? Non, 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 elle est tombée sur son cul. Oh, mais faut pas faire plaisanterie, c'est le ton de la soirée. Mais je suis bonne à rien, j'ai pas le courage. Oh, non, dis, tu vas pas recommencer, hein. Tu vas t'accrocher, te former un peu le caractère. D'accord, t'es qu'une pauvre bourgeoise. Mais t'as un site qui t'aime, qui te cajole, qui est gentil avec toi, qui te fait des poutous dans le cou le soir. Est-ce que j'y ai droit, moi, aux poutous? Je te pose la question. Rien du tout, oui, tu m'entends pas ça. J'ai beau me parfumer avec un arrosoir et faire du gringue à la sentinelle, tu m'entends rien. Elle fait semblant de guetter les morts. Tu dis ça pour me consoler? Mais non, pas du tout. De gueule, je mérite pas la couverture de Jour de France, mais des guiboles. Regarde, j'ai de quoi intéresser. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, faut que tu saches. Tu m'as l'air aussi intelligent qu'une limace qui sort des fraises, toi. Alors, je vais te dire une chose. Tu sais qu'on est en train de se frapper pour les prunes? Bon, ben, d'accord, j'ai tartiné ton vieux, j'ai eu tort. Ben, tu vois, je le reconnais. Il est vieux, il est buté, il tient sa vengeance. Non, la vérité, ce qu'il fait surtout germer, c'est ma barrette en rame. Bon, alors, je vais te faire une proposition. Faut même pas passer la soirée là-dessus. Bon, alors, tu vas dire que tu m'as tué. Quoi? Minute. Colonel! Le comte est mort. Ah, c'est bien fait, il a qu'à pas toucher autant. Chimène, à vos genoux apporte sa douleur. Elle apporte ce qu'elle veut. On va tirer des coups de pétard en l'air pour que la barre puisse bien se rendre compte. Alors, ben là, franchement, ça m'arrange. J'ai un train à prendre et puis... Bon, ben, je vais tout te dire. Je me taille de l'armée. Ah oui, bon, ben voilà. Je préviens personne, l'armée... Fait chier. Terminé, fini. Voilà. Parfait. Bon, alors on les allumettes. Pour le tank. Les médailles. Voilà. Allez. Salut tout le monde. Salut. Dis bonjour pour ma Chimène, hein. Embrasse-lui les fesses. Les cuisses. Le minou. C'est lui Minette de ma part. Allez, arrangez mes médailles, là, maintenant. Voilà, comme ça. Alors, mon coussin, le bassin, voilà. Alors, quant à vous, alors, regardez-moi bien, hein. Lorsque je toucherai mon mérite agricole, hein, vous applaudirez. Et si je touche, alors, les anciens combattants, vous les voyez, les anciens combattants, hein, hein, alors, vous faites des mouvements de foule. Vous me soutenez, mais surtout, ne restez pas plantés comme des piquets, hein. Vous n'êtes que... Combien vous n'êtes?
Ça compte pour des demi, ça en plus. Enfin, vous n'êtes que 10, débrouillez-vous pour que ce soit bénure. Je veux bénure. C'est pigé? Alors attention, je vais faire un essai. On me suit bien, on n'est pas distrait. Je fais un essai. Ça va? Oui, d'accord, je sais. Doucement, doucement, ne nous énervons pas. Quoi? Comment? Oh, voyons. Son papa. Ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, ce sang qui tout sorti fume encore de courroux, de se voir répandu pour d'autres que pour vous. Quelle furie, quelle furie. Oh là là. Papa, mon papa, je l'ai bien vu, c'était bien sa tronche. Et puis des cendres. Il tenait tout entier dans une petite pelle. Des petits bouts de lunettes, des lambeaux de médaille. Tout ça bien brûlé. Le bassin. Après, ils ont pris la petite pelle et ils l'ont portée dans la chapelle, mon papa. Il n'y a pas de bassin. Mon papa. Bravo, félicitations. Bravo, Miss, vraiment. Miss. Quel con. Enfin bref, mon père est mort, je réclame vengeance. Faites zigouiller Rodrigue, c'est lui qui a brûlé mon papa. Don Diego, répondez. Répondez. Moi, dont les longs travaux sont acquis pour de gloire. Moi, que je dise, partout, a suivi la victoire. Je me vois aujourd'hui, pour avoir trop vécu, recevoir un affront et demeurer vaincu. Ce que n'a pu jamais combat, siège embuscade, ce que n'a pu jamais armagon, ni grenade, ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux. Ça va les suivre. Oh, ça va, ni tous mes envieux, dis-je. Le comte, en votre cour, l'a fait presque à vos yeux. Ainsi donc, ses cheveux blanchis sous le harnois, ce sang pour vous servir prodigué tant de fois, ce bras, jadis l'effroi d'une armée d'infamie, si je n'eusse produit... N'eusse produit mes fesses. Ta gueule, joujoute. Si je n'eusse produit un fils digne de moi, digne de son pays et digne de son roi. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, c'est pas mal. Dites-moi, vous en avez encore pour longtemps? Parce que maintenant... Il y a une heure pour tout, là, non? Il faut juste quelques petits effets à passer des bricoles, là. Alors, je continue. Je vais donner de l'ancien combattant, s'il vous plaît. Comment, de l'ancien combattant? Vous savez, votre petit stratagème. Vous savez, ils ne sont que 10. Ils ne sont que 10, enfin. Allez, hop, en avant! Voilà. Dénure! Allons! La tenue! Il m'a prêté sa main. Il a tué le comte. Il m'a rendu l'honneur. Il a lavé ma honte. Si venger un soufflet mérite un châtiment, sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, on en punit la tête. Qu'on nomme crime ou non ce qui fait nos débats, sire, j'en suis la tête. Il n'en est que le bras. Monsieur, je comprends plus rien. La tête et le bras de qui? Eh bien, du crime. Hein. Ah! C'est un crime avec une tête et des bras. Oui, c'est une image. Ah! Ah! Il faut voir. Oui, bon. Immolez donc ce chef que les ans vont ravir et conserver pour vous servir. Ce bras qui peut servir, voilà. Oui, alors si je comprends bien, il me reste un bras. L'affaire est d'importance et bien considérée, et mérite en plein conseil d'être délibérée. Voilà, alors maintenant, on va casser la croûte ou quoi? Il est juste comme meurtrier. Non, alors, mais c'est possible, j'en ai ras.
Tu le dois. Je ne puis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, force-les au silence et sans plus discourir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie, et je veux que la voix de la plus noire envie élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis, sachant que je t'adore et que je te poursuis. Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit, cache bien ton départ. Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard. La seule occasion qu'aura la médisance, c'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence. Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu. Que je meure. Va-t'en. Tu vois bien que tu y arrives. Ah, c'est tout de même mieux quand on est sérieux. Ouf! Oh, on peut pas être sérieux tout le temps, mon vieux. Encore 5 minutes comme ça, on se faisait jeter, hein. Alors les enfants se touchent, je vous apporte le bon Dieu qui qu'on veut. Ah les enfants, on a fait l'espace. Ah bah dis donc, on est bien pressé en ce moment. Hein. Oui, et nous ce qui nous intéresse c'est la croisière, le voyage de noces, oui. Marin tribord. Ils sont trop choubiques. Allez, on se marie en vite. Bon, on y va. Ben, voilà votre patouze, il monte vous voir. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? J'en sais rien, mais il faut pas qu'il trouve Chimène dans ton pieu, il comprendrait pas. Combattant de Dieu, le soldat ne fuit jamais, c'est le robinet qui fuit. Et la fête de continuer de l'action de l'ennemi, 50 km des pistolets à bas coup. Youpi! Fiche le camp, le voilà. Qui? Le vieux. Mon Dieu, je vais faire semblant de dire la messe et puis ça y est, ça va arranger nos bidules. Attention les gambettes. À genoux. Tiens, puis ça c'est. Ah oui, ça c'est à moi, j'en ai besoin. C'est plus donc, j'ai un truc terrible. J'ai réussi avec un croissant. Ta, ça y est, j'en ai fait une. Chut, gentil maintenant. Regarde-moi. Agnus Dei. Quitolis peccata mundi. Quitolis et Camidi. Ouvre la bouche. Ah. Tu vas manger. Pas tout, j'en ai aussi un petit peu pour moi. Plus sec, hein. Oh, c'est pas des bruits. C'est bon, mais c'est sec. Bon biscoum. Et comme je viens tout doux. Ah. Moi, je suis vanem. Ma poste en cul, et asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Il t'a mis sa est. Oh, Deo gracias. Ouf. Oh, elles sont dures, vos marches. Repos. Amen. Mais où t'allais, toi? Ne pouvant quitter ni posséder Chimène, le trépas que je cherche est ma plus douce peine. Je communie avant d'y aller. N'est pas temps encore de chercher le trépas. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. Les morts font les tanner. Fiston, moi je suis trop rabolot, mais le colon, il peut plus les voir. Il me fait des histoires terribles à cause d'eux. Mais ils ont rien fait. Ils jouent de la musique toute la journée. C'est les ordres, ça vient de plus haut. Ça fait 3 siècles qu'ils sont là. Il fera comme tout le monde, le pignouf, hein. Il attendra qu'il s'en aille. Oh, tu le connais pas, c'est un emmerdeur fini, chatouilleux et tout sur la question ennemie. Oh, t'as beau lever les yeux au ciel, je sais ce que je dis, hein. Déjà, pendant les croisades, hein, Don Fernand me faisait des scènes terribles jusque là-bas, surtout la deuxième, celle de 47, ça c'était quelque chose. Hein. Moctadir lui avait déjà refilé une doudoune. Hein. Ah, mais maintenant qu'il est là, Moctadir, hein, presque dans son bureau, ça le rend affreux de la tronche, il l'encaisse plus du tout. Bon, je vais en parler au calife. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Alors, ils écoutent qu'une chose, les beignes. Faut leur en foutre plein les calots, un coup de tank. Tac, 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 boum. Tu m'emmerdes, voilà. Je fais ce que je veux. Tu crois que ça m'amuse d'aller me troufigner avec les voisins pour les beaux yeux du colon, tu te le mets. Et profond. Ah, tu vois, là, hein, c'est toi qui provoque, hein. Tu veux donc m'achever? Je te dis que c'est le mort à prendre comme il est, où il est, un sauvage. Thank you.
a gagné la guerre. Hein? C'est dans la poche. Oh, tu dis ça pour me peloter, hein? Si on pense pas un mot. Allez, 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 avance. Voyez pas aux corneilles, là. Allô, allô. Appel à toute la compagnie. On voudrait bien savoir si le colonel Don Fernand va traiter le coquillard. Parce qu'on attend que lui, vu qu'on fait le départ de Marcadier dans son bureau, et que l'assistant traite la médico son auguste présent. On en a ras les manettes de l'attente. Et puis qu'il n'oublie pas son tête. Hé, hey, mon colonel, c'est par là que ça se passe. Je suis, laisse-moi regarder ce salon. Je ne vais pas souvent, d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois vide. Sans meubles, il n'y a plus que les moulures. Et alors? Et alors, ils ont brûlé tout ce qu'ils pouvaient, fracassé tout ce qui était trop lourd. Ils ont brûlé les bouquins. Oh, ouais. Vous voulez les violons? C'est la guerre, non? T'as raison. T'es comme petit con, mais t'as raison. Même au très fond de la déchéance, faut rigoler. Qu'est-ce que tu veux? Personne ne veut mourir sans rire. Vous les faites pas rire, ils mangent plus, ils boivent plus, et puis ils se laissent tomber sur le cul de désespoir. Allez, viens, viens, petit chien. On va se repayer une tranche. Vous ne croiriez jamais ce que chacun l'admire et porte jusqu'au ciel d'une commune voix de ce jeune héros les glorieux exploits. Les morts devant lui n'ont paru qu'à leur ombre. Ben, on dira ce qu'on voudra, ils sont partis plus vite qu'ils sont venus. Leur abord fut bien prompt, leur fuite encore plus prompte. 3 heures de combat laissent nos guerriers une entière victoire et 2 rois prisonniers, la valeur de leur chef ne trouvait point d'obstacle. Oh, les billets, s'il vous plaît. Je suis ton colonel, imbécile. Oh oui, oh, celle-là, on me l'a déjà faite. Ça fait 3 mecs qui passent comme ça. Il n'y a quand même pas 4 colonels dans ce régiment. D'ailleurs, le dernier qui est passé, il avait plus de médaille que vous. Vous croyez que ça va se terminer? On ne peut pas la réduire. Ta gueule, c'est vrai! Votre colonel! Tu attends votre père à tous, bordel de Dieu! Je suis ton père! T'entends? Dis, t'entends? Dis papa pour moi! Dis un petit papa! Ah ben c'est lui, Fogolé! Dis-moi un petit peu papa! Papa! J'attends 1 heure, s'il faut, papa! Papa! Il est complètement barge, votre copain. Mais il y a un pot. Voilà. Ça m'impose, ça me fait du bien. Il me croit déjà dans le trou, ces petits cons. Je sais jouer la comédie, moi aussi. Je lis ça. Passez votre texte, mon colonel. Je vais pas répéter, moi. C'est à vous, maintenant. Tout le monde vous regarde. Généreux héritier d'une illustre famille qui fut toujours la gloire et l'appui de Castille et rejeton de tant d'aïeux en valeur signalée... De qui je parle, là? De Rodrigue, mon colonel. Où est-il? Il n'est pas là. Où est-il? Il se prépare. Vous allez me faire tourner. Il arrive. Vous allez me faire tourner en bourrique. Allez, continue. Oui, mais... Pour te récompenser, ma bourse est trop petite et j'ai moins de dollars que tu n'as de mérite. Mon sceptre dans ma main par la tienne affermi et les morts défaits avant qu'on ses alarmes. J'eusse pu donner ordre pour repousser leurs armes. Quoi? Comment? On a battu les morts? Non mais, putain merde, enfin, je voudrais qu'on m'explique, ils sont partis les morts, c'est fini, comment, enfin, on les a ballottés, comment on a fait ça? La tête, la suite, ouais. Ils t'ont nommé leur scie dans ma présence, puisque scie dans leur langue est autant que seigneur, je ne t'envierai pas ce beau titre d'honneur. Dites-moi, hein, c'est-ce bien la peine de se caresser la mitaine? Sois désormais le Cid, qu'à ce grand nom tout cède, qu'il comble d'épouvante et grenade et tolède, et qu'il marque. Le Cid, le Cid, le Cid, le Cid, le Cid. Que votre majesté colonel épargne ma honte, d'un si faible succès le fait trop de compte et me force à rougir devant un si grand roi.
de mériter si peu, Lon. Merde, moi, Arnois. Non, mais d'où il sort avec cette armure? Non, mais... Tu te cours des pas, Coco, tu te rends compte? Mais on n'empêchera pas de penser qu'il y a au moins 5 siècles de bourg. Et je compte serrer. T'as vu la dégaine? Souffre donc, Conteloup, et de cette histoire, apprends-moi plus au long la véritable histoire. Non, regardez comment il est sapé, c'est pas possible. Sous moi, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Et sur le cul. Allez hop, je m'habille. Allez, je veux un restant tout de suite. Mais non, mais c'est vrai. C'est honte à la fin. Je veux un smoking tout de suite. Si on peut plus envoyer quelques vannes, alors... Mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Tu te mets à poil, si tu veux. Mais quand je pense que je suis là en train d'essayer de vous distraire, et merde ces remarques, je me creuse pour être dans l'époque et tout ça pour qui? Pour cette vieille frime, cette vieille asse, cette vieille salade. Je vous ai à la merde. Oh, grossier, va. Mais bouffe-le, ton joli cool. Mais ce serait pour emmener sur le front avec ses tôles. La guerre se serait arrêtée pile. Pas besoin d'être 3000 en arrivant au port. Rien qu'à le voir, les morts se seraient taillés en vitesse. Vous allez tout gâcher, mon colonel. On va se faire sortir. Dehors, bestiaire, sortez-le. Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient le courage. J'en cache les deux tiers, aussitôt qu'arrivés, dans le fond des vaisseaux qui l'or furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure. Couche contre terre et sans faire aucun bruit passe une bonne part d'une si belle nuit. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Enfin, avec le flux, nous fait voir 30 voiles. Les morts et la mer montent jusqu'au port. J'aime pas la loi. Allumez le port. Allumez. Laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Allons-y! Notre profond silence, au nom de Dieu, abusant leurs esprits. Au secours! Au secours! Ils abordent sans peur. Ma main, j'ai plus pied. Ma main, j'ai pas pied. Au secours! Au secours! Je veux pas rester dans le noir. La lumière! Ils entrent. Ma main! Il descend. Où est papa? Il est encore parti. Allons-y.
Allez. Ah, dis donc, il se papouille drôlement, hein. Ça se regarde avec plaisir, tu sais. Il est drôlement partout, le piston. Ah, ça, oui. C'est toi qui as monté tout ça. Ben quoi, on s'amuse, c'est une plaisanterie, c'est la fête. Dis donc, dégueulasse, hein. Combien ça va coûter, hein, tu peux me le dire? Hein, combien ça va coûter? Mais qui va payer tout ça? Mais c'est une reconstitution historique, c'est du grand spectacle, t'entends, ça vaut le coup, non? T'as pas encore compris, j'ai fait payer tout le monde à l'entrée, pas d'un fou à payer, on rentre dans nos sous. Tu m'écœures, je commence à l'avoir marre de ton site d'office, ce mac. Qu'ils aillent se faire désosser ailleurs que dans mon burlingue. Tu entends, Faïs? Alors, on n'est plus copains? Des copains comme toi, je tape dans le mât des couleurs. Il en tombe 10. Le flux les apporta. Le reflux les remporte. Et le combat, c'est ça, faute de combattant. Et au je m'assieds. Oh. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas le sens des nuances. Oh, oh. J'ai pris froid sous ce tapis, moi. Oh là là. C'est moi qu'on envoie la mort, hein. C'est ce que je devrais dire. Hein? Le site par-ci, le site par-là, le site par-ci, le site par-là. Vas-y, petit, les mortons là. Ah, mais je t'en vois rien du tout, moi. Adresse-toi à ton père, ce culot. Ah, vous ne m'envoyez à rien du tout. Et si je crève, alors, hein? Vous vous en foutez? Mon prêtre pire qu'un clef dans cette boîte. C'est pourtant moi qui prends tous les nions. C'est moi, c'est pas vous. Non, mais c'est vrai, ça. Et pour qui? Pourquoi? Pour la Castille. La Castille. Ah, oh, la Castille. Mes fesses, oui. Dis donc. Oui. Et la grande, là, là. La chimène, là, ouais. Elle t'intéresse? Ouais, ça vous regarde pas. Et... Le petit Cid, il bande. Je bande? Dis donc, alors tu la jardines, hein? Comment tu la prends, alors? Tu la prends en levrette, hein? À la duc d'Aumale? Je dis ça comme... Non, mais quel vieux satyre! Dis donc, approche. Oh. Elle a de belles cuisses. Et sa jolie petite gueule d'ivoire. Tu me la prêtes? Tu me la prêtes, hein? Combien t'en demandes? Mais je paye. Ne t'énerve pas, je paierai le prix. Sire! Chimène vient vous demander justice! Et c'est reparti pour un tour! Allez, passez par là, la porte est coincée. Alors, merde, mon texte, t'as pas vu mon texte? Ah! La fâcheuse nouvelle! Il est pour ton devoir! Dis-lui que je ne veux pas la voir! J'y comprends plus rien, moi, à la fin! Alors quoi, tu l'aimes ou quoi? L'honneur, la vengeance, c'est bien joli, mais enfin, il y a des limites! Tu la bats, la maison, tu la bats! Ah non! Non, moi, je la bats pas! Ah non, il la bat pas! Non. Alors qu'est-ce qu'elle a à nous emmerder comme ça tout le temps? Elle arrive! Bon, tiens, j'ai une idée! Fais le mort sur le tapis, hein! On va voir sa tête, on sera fixé! Fais le mort! Là, oui, là! Pousse-le! Oui, pousse-le. Voilà. Allez, attends. Et râle. Bon, allez, c'est très bien. Alors, fais-la entrer. Ton Diègue, réveille-le parce qu'il doit avoir des choses à dire. Allez, passe-moi mon papier. Allez, magne, on n'est pas ici pour avoir des temps morts, voyons. C'est curieux. Mais qu'est-ce que c'est, ces bosses? Ce sont les morts, c'est des bosses de mort. Enfin, soyez contente. Rodrigue est donc mort? Non. Je vois le jour et te conserve encore un immuable amour. Ah, calme cette douleur qui pour moi s'intéresse. Oui. Je le savais, moi, je me disais aussi, le piston, il biaise. Encore une entourloupe, parce que moi, monsieur des Maccabées, j'en ai vu des chiers. Ouais, beaucoup plus que vous n'en verrez jamais. Ah, mais ferme ta gueule, merde! Tu fais toujours des commentaires. Tu causeras quand je tirerai sur les anciens combattants. Pas avant. Il tape sur la tête, ce con. De ma colère,
je suis sa conquête. Qu'il le combatte, sire, mon colonel. Et le combat fini, j'épouse le vainqueur. Si Rodrigue est puni sous votre autorité, souffrez qu'on le publie. Quel courage assez vain oserait s'en prendre à lui? Qui se hasarderait contre un tel adversaire? Qui serait ce vaillant ou bien ce téméraire? Je suis ce vaillant, je suis ce téméraire. Accordez cette grâce à l'ardeur qui me presse, madame. Vous savez quelle est votre promesse. Dis, cocotte, avec tes jolies petites fesses. Oui, viens. Approche, vengeur. Ah, qu'est-ce que j'arrive? Attendez. Allez, approche, il mord pas. Hé, postachique, et voyons. Tu vas voir, tous ceux qui montent, ils les arrangent. Tiens, ils leur rentrent dedans. Ils les ouvrent à coups d'éponge. Oh. Ils les becquent tous. Allez, vas-y, fous-lui une pignale. Le vas-y. Dernier, hein, il en a fait des rayettes, des vrais, du Mans, tu réalises, mon amour, ça dit quelque chose. Ben, dis-lui un peu, toi, donne tes impressions. Dame, quand il faut cogner, je cogne. Quand il faut souffrir, je souffre. Quand il faut mourir, je meurs. Le héros, quoi? Oh, vous avez pas fini de lui faire peur, non? Regardez-le, il a de grosses larmes qui lui coulent. Et puis t'as vu ces grandes quenottes? Ah ben merde, te voilà jolie. Oh. Tu crois que je chie, hein? Je vais te les faire avaler tes éperons, moi. Ah, oui. Et puis tu sais ce qu'il leur fait? Ils leur font la gueule jusqu'aux oreilles. N'importe lesquels, avec son grand couteau. T'as vu son grand couteau? Oh, tu les entendrais beugler. Ça me sert le kiki tout d'un coup. Barre-toi. Hé, hey, Godiche, allez, dépêche-toi, t'as encore le temps, calte. Alors, on veut plus me venger? Oh, Bernick, j'ai pas envie d'avoir la gueule fendue jusqu'aux oreilles. Hé, hey, un piquet! Et dire qu'il voulait me câliner! Qu'il en pouvait plus, qu'il avait le vertige de me voir tellement malheureux! Ah, ils sont jolis, les combattants, hein? Les téméraires, les vaillants! Oh! Ah là là, pardon, madame! Ah, tu viens! Sale con! Connard! Ils sont pas tous partis? Ils sont pas tous morts? Mais si, malheureux, rassure-toi, monsieur s'en va. Et puis tu sais pas tout, monsieur s'en va avec ta fille. Ma quoi? Ma fille avec... Oh! Sans bagage, sans adresse? Hein? Ma petite enfant, tu ne te trompes pas alors? C'est le coup de fandango et hop! Le narguilé tout de suite, le narguilé. T'as fait sucer son narguilé? Oh papa, commence pas, hein! J'en ai très timide. Pensez donc, il n'ose déjà pas faire sa demande, alors si tu lui parles sur ce ton-là? Mais qu'il ose, hein, voyons, qu'il ose, je ne mords pas. D'ailleurs, au point où je suis, hein, ma caserne, ma Castille et ma fifille. Chut. Ben vas-y, moque-toi dire. Eh ben cause, quoi. Eh bien voilà, pour rester dans le ton de notre petite fête, je me suis permis de composer quelques couplets. Non, il va chanter maintenant. Ah, voilà. Chicago, de Paris à Java, nul ignore mon nom, ma famille et mon rang. Par ici je suis roi, je suis prince là-bas, calife en ce pays, en cet autre sultan. Voilà pourquoi, madame, je m'en hardis ce jour, sans crainte d'un refus, amendez votre mal. Nous serons vous et moi des symboles de l'amour, mais gardez-vous, madame, de me tromper de mal.
Alors c'est fini, vous prenez l'avion ce soir, alors... Alors je vous revois plus, alors vous... C'est-à-dire, vous pouvez pas comprendre. C'est mon unique. Je l'ai eu à 40 ans. À 40 ans, je l'ai eu. Et vous me la prenez en pleine guerre. Ah, c'est pas beau, l'ennemi. Ouh, on s'aime, papa. Mais je m'en doute un peu, mais la mec, c'est pas à côté. Puis t'es qu'une femme. Et à l'avion. Et puis y a pas que les mecs qui voient la mec. C'est vrai. Tu vois, Rodrigue, intéresse-toi. Prends-en de la graine, faut te caser, toi aussi. Oui, mais moi, chante pas. Ben oui, et les croisades, hein, ça te dit rien, les croisades, là-bas. Regarde l'infante. Ah, Elbi, j'avais retrouvé ça. La blabernie pour toute sa vie, qu'est-ce que tu veux? Les croisades, ça plaît pas à Chimène. Elle aime pas les voyages. Mais là, ça peut tomber ta Chimène, merde, on te voit d'autres là-bas, des Chimènes. Et puis t'es drôlement bien roulé, hein, tu vois ce que je veux dire? Ah oui? Ah oui, je veux, hein, moi qui te cause, petit poilu. J'en ai connu des gonzesses, des lionnes. Des dames qui comprennent le soldat. Des dames qui se foutaient des babes sur le cul à chaque coup de canon. Non mais tu m'avais écouté à la fin. Demande au colon, il connaît la vie lui aussi. Il pourrait te dire, après avoir vaincu les morts sur nos bords, renversé leur dessein, repoussé leurs efforts, va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre, commander une armée et ravager leur terre. Voilà comment il te causerait le colon. C'est un bon programme ça, André Piston. C'est un bon programme. Oui, évidemment. Si elle se tape sur les miches. Oh! Seulement, j'ai pas d'avion! Oh! T'as pas d'avion? T'as pas d'avion? Comment ça, t'as pas d'avion? Ah, tu vas voir! Je vais t'en trouver un, moi, un zingue. Un chouette, hein, et un bat. Tiens, fiston. Assieds-toi là. Allez. Là. Vas-y, si, si. Vas-y, Rodrigue. Voilà. Attention, piston, attention devant, voilà, le place. Oh, ça m'en loche, hein. Ça m'en loche. Battu le calife, tu vas voir ça. Voilà, t'es prêt, piston? Non, t'es bien décidé, hein? Alors, hein, fais pas comme moi, hein, surtout, prétends. Une bonne tranche, hein? Ah ben ça. Voilà. Je l'ai dit un jour, hein, j'aurais été calife, moi, si j'avais voulu. Oui, calife, hein, comme Moctadi. Eh oui, monsieur. Si j'avais prêté Sigur, là, je me serais fait bâtir un temple tout en marbre, hein, ou en saphir. En saphir, hein. Ou en émeraude. Oui, c'est ça, là, en émeraude. Tu prends là-haut. Tu vois, c'est fini les aventures. J'en veux plus. Y en a marre des fourbis, des machins chouettes, des classiques qui n'ont plus de nom. Ah là là, pardon. Gardez la monnaie. Et... Salopard, hein? Tu es drôlement content, dis donc. Alors tu profites qu'on a le dos tourné pour te barrer, n'est-ce pas, hein? Alors, monsieur s'envole, monsieur grimpe au plafond. Et la succession? Dis donc, tu as pensé à la succession? Hein? Réponds-moi avant que je crève! Je m'en fous! Tu m'entends bien? L'Opus Dei, le Tertio, Madrid, les castagnettes, je chie sur le tout! Mais regarde-moi, Mimi, je pleure, moi! En fait, je vais pleurer, quoi! Mais qu'est-ce qu'il y a, enfin? Qu'est-ce qui va pas?
T'es pas malheureux ici. Tu manges pas mal avec moi. Je te plais plus. Écoute, fais-moi une liste de ce qui va pas. Mais tu vas te cogner la tête à monter comme ça. Dis voir un peu. Je vais apprendre à chanter, hein. Tu voulais que je chante? Eh ben écoute, je vais te chanter. Dis-melou, papa, dis-melou. Dis-melou, melou, papa, dis-melette. Ah, l'amour alors et la tragédie. Où quelle est la tragédie? Mais écoute alors, ma femme secoue les bras, le troufignon, et toi, ça ne secoue plus rien, non ! C'est pas la peine, bah, il t'entend même plus. Je lui manquerai peut-être dans son univers à ce petit con. Il fout le camp, c'est entendu. Mais l'État, la nation, est-ce qu'il y a passé une seconde au moins ? On ne voit plus qu'un peu. Well, I don't understand this. I'm tired. I'm gonna go. I've had enough. This is very confusing. Goodbye. Goodbye, Camel. Salut, mon pote. Il a un drôle de goût, son chewing-gum. Ha ha ha!